Coucou à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo Yves Rocher et ses nouveautés de Noël que j'ai pu trouver. Donc voilà, il y a deux senteurs de gel douche. Donc j'ai pris les gels douche à moi pour l'instant. Donc il y a des bougies également, il y a des crèmes pour les mains, des laits hydratants je crois, des parfums et des savons pour les mains. Mais pour l'instant, je n'ai pris que les gels douche pour voir les senteurs. Elles sont sympas. Donc déjà, je vais vous montrer deux autres trucs qui ne sont pas des éditions Noël que j'ai acheté parce que vous savez, j'ai reçu un carton pour aller, pour aller faire quelques achats, bien sûr. Voilà. Donc je vous montre ça. Hein. Donc c'est ça. C'est un gel douche. Yves Rocher Jardin du Monde, crème de douche onctueuse, noix de macadamia du Guatemala, sans parabènes. Alors, les engagements chez Jardin du Monde. Plus de 95% d'ingrédients d'origine naturelle, composants d'origine végétale, huile de noix de macadamia du Guatemala, huile de sésame issue de l'agriculture biologique, formule facilement biodégradable, packaging entièrement recyclable. J'ai déjà testé cette crème de douche. Elle est nickel. Ça sent bon. Ça sent la macadamia naturelle. En plus, ça sent méga. Je pense que je vais en garder un. Et peut-être que l'autre, je le donnerai à quelqu'un. Voilà. Pour ça. Et ensuite. Il y a déjà les cadeaux. Ouais, je pense qu'il vient en fait. Donc, le cadeau, c'est Bête des Merveilles. Donc, c'est l'édition de Noël limitée avec le gel douche qui va avec. Donc crème pour les mains, baie des merveilles. Bon, nous ne vous en disons pas plus, voilà. Je vous décrirai plus sur les gros formats. Voilà, ça c'est les cadeaux. Ça c'est une petite crème de 30 ml. Ça sent très bon. Ça sent les fruits rouges, je trouve. Ensuite, le premier gel douche édition de Noël, donc c'est pareil, c'est Baie des Merveilles. Et c'est un. Alors, sous la douche, le parfum pétillant et festif des Baies des Merveilles. Testé sous contrôle dermatologique, pH neutre pour la peau, rincé abondamment. Extrait de canneberge, eau de bleuet issue de l'agriculture biologique. Base lavande d'origine végétale, formule facilement biodégradable. Cette formule contient plus de 98% d'origine. D'ingrédients d'origine naturelle, sans éthoxylés, sans parabènes. Voilà. Donc la canneberge, c'est les cranberries, je crois. C'est pour ça que ça sent très bon. Et le packaging, ma foi, est très joli. Ça sent très bon. Et le deuxième, c'est celui-ci. J'aime beaucoup l'étiquette. Je pense que je vais le garder après le paquet. Ou j'en rachèterai d'autres, mais franchement, le paquet est très sympa et la texture du produit a l'air très très spéciale, je trouve. Oui, c'est une crème de douche. Ça, l'autre, c'est un gel douche. Je pense que c'est une crème. Oui, ben douche vanille blanche. Donc, c'est écrit la même chose. Le parfum doux et chaleureux de la vanille blanche. Extrait de vanille, eau de bleuet, ici de l'agriculture biologique. Après, c'est la même chose que l'autre. Donc voilà, c'est un bon petit gel douche, je pense. C'est des éditions de Noël, donc voilà. Ils les ont déjà sortis. Donc si vous avez envie de vous les procurer, je vous conseille d'y aller maintenant parce qu'en général, ça part assez vite. Les gels douche, je crois. Attendez. Je crois que j'ai encore le ticket. Non. Non, bon, je sais peut-être plus le ticket. Alors. Je crois que ça a coûté, les gels douche, ils coûtent 1,95€, je crois. Donc, franchement, ça va, c'est pas très cher pour des gels douche Yves Rocher. Donc, voilà. Franchement, ça vaut le coup d'y aller et de voir. Hein. C'est des bons produits, donc voilà. Après, peut-être que certaines personnes n'aiment pas. Après, c'est chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà.
Je donne juste mon avis, moi, après, je n'influence personne, je ne pense pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo Yves Rocher vous aura plu et qu'elle vous donnera envie d'aller chercher ces jolis petits gels douche de Noël. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un commentaire, un pouce bleu en l'air. Et abonnez-vous. Pardon, je l'ai déjà dit, excusez-moi. Bah, je vous fais de gros bisous. À bientôt.